Un fait inédit sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, l'institut d'émission dont les 6 pays membres sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la Centrafrique. Pour la première fois depuis le lancement de ce marché d'Afrique centrale en 2011, le Cameroun a émis des obligations du Trésor assimilables au TA de 10 ans ce mercredi 6 mai 2020. Toutes les infrastructures d'énergie électrique, par exemple, de production d'énergie électrique, infrastructures sportives, infrastructures routières, infrastructures portuaires, aéroportuaires que le Cameroun avait lancées, ne sont pas achevées. Grâce à cette émission de titres historiques avec un taux d'intérêt de 7%, le Trésor public camerounais espère pouvoir mobiliser une enveloppe financière de 25 milliards de francs CFA. Cette somme servira à compléter les 140 milliards de francs CFA déjà mobilisés entre le 8 et le 29 avril 2020 dans le cadre d'un vaste programme. Un programme dont l'objectif est de lever sur le marché monétaire une somme globale de 220 milliards de francs CFA afin de financer des projets d'infrastructures dans le pays. Le Cameroun devrait lever autour de 320 milliards en termes d'émission de titres du Trésor. Donc c'est ça que le Cameroun est en train de faire. Donc de mon point de vue, les 25 milliards, d'ailleurs, les fonds qui ont été ciblés pour l'exercice, pour le mois d'avril, ça avait été levé pratiquement pour certains à 40%, pour d'autres à 70%, pour d'autres à nettement moins de, à peu près 85%. Donc de mon point de vue, c'est pratiquement les mêmes banques commerciales qui ont souscrit en avril qui vont encore être sollicités pour les mêmes 25 milliards. Cette première émission des titres sera suivie par une autre d'un montant de 25 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 6,5% et une maturité de 7 ans.